Tout d'abord, voilà, depuis 1955, il faut avoir en tête qu'on a perdu 80% des exploitations en France. Et notamment, les plus petites exploitations ont encore plus diminué, puisqu'on en a perdu 90%. Alors bon, certes, dans les moins de 20 hectares, il y a aussi de la viticulture, hein, donc ça, il faut aussi se méfier. Mais en gros, on a perdu l'essentiel des exploitations. On avait plus de 2 millions, voyez, d'exploitations au sortir de la guerre. Et puis en bas, le graphique, là, qui n'est pas forcément très visible, il montre les carrés verts, bah, c'est le nombre d'exploitations suivant les années. Et puis les choses en jaune, là, en orange, c'est la taille moyenne des exploitations. Donc ce schéma-là, il montre qu'en fait, on a eu une concentration des structures. On a une perte d'exploitation, mais on n'a pas une perte équivalente de la surface agricole, c'est-à-dire qu'à chaque génération, ben, ceux qui restaient devenaient de plus en plus gros et s'agrandissaient. En moyenne, sur 100 hectares de terres qui se libèrent par an, hein, les gens qui partent en retraite, on en a 40% qui vont à l'agrandissement, 10% qui vont à l'urbanisation, hein, je devrais dire artificialisation, ça c'est aussi un problème. Plus on artificialise, moins c'est facile d'installer. Et on n'en a que la moitié finalement qui reviennent à l'installation. Donc vous voyez qu'à chaque génération, ben, on perd la moitié des terres pour l'installation. L'autre problème aussi qui se passe, qui s'est passé avec toutes les politiques, donc je vais parler rapidement, c'est qu'on a eu une augmentation de la capitalisation des entreprises agricoles, enfin des exploitations, mais maintenant on parle d'entreprises agricoles. C'est-à-dire que les fermes, elles concentrent de plus en plus de capital en machines, en investissements. 74% de plus de capital par exploitation, ça veut dire que les reprises sont beaucoup plus difficiles. Aujourd'hui, reprendre une ferme, bah, c'est reprendre plus d'1 million d'euros, quoi. Donc ça devient très inaccessible. Quand on regarde quand même ceux qui s'installent, alors en 2018, d'après les chiffres de la MSA, on a un peu moins de 14 000 personnes qui sont installées. Et ces installations, elles ne compensent, hein, toujours que deux tiers, en fait, des cessations d'activité. 20 000 personnes qui cessent leur activité, il y en a 14 000 qui s'installent. Et ça, c'est assez différent suivant les productions. Alors là, j'ai repris les chiffres du rapport Impact, qui est un très bon rapport sur l'installation et la transmission, et qui montre que ben, sur l'élevage laitier et mixte, on n'a qu'une installation pour deux départs. Sur la viande, le bovin viande, à l'élevage pour la viande, c'est deux tiers. Et puis sur les grandes cultures, par contre, c'est trois quarts. Le foncier en France est relativement contrôlé quand même, par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus libéraux. Ce qui fait que, par exemple, les prix du foncier en France sont moindres que dans d'autres pays. Ça, il faut le dire, même s'ils ont doublé, hein. Dès le départ, et très tôt, il y a eu aussi un monde alternatif du développement agricole et rural qui s'est mis en place et qui a contesté cette révolution verte à marche forcée. Avec, dès les années 50, par exemple, on a la création des CIVAM, on a les paysans travailleurs, on a aussi Nature et Progrès qui se met en place dans les années 60. Et j'en passe, bien sûr, je ne vais pas refaire toute l'histoire, j'ai pas le temps ici. On a des agriculteurs qui sont endettés, très endettés et dépendants des aides. Vous le savez, aujourd'hui, les agriculteurs, pour la plupart, ils vivent des subventions et pas forcément de ce qu'ils produisent. Et on a aussi un gros problème avec le système des retraites agricoles, avec des retraites très très faibles, peu de cotisations et donc des retraites très faibles, 700 euros en moyenne, ce qui va alimenter aussi des stratégies. Je vais revenir, donc les graphiques vous montrent tout ça. Ce qui va alimenter des stratégies de maintien du revenu qui sont incompatibles avec la transmission. Et c'est bien compréhensible, hein, il ne s'agit pas de tirer une pierre sur ceux qui sont en difficulté. Donc, on va chercher à vendre au plus offrant, hein, quand on a une retraite de 700 euros. On va aussi espérer, ça, je reprends une expression que j'ai entendue dans mes enquêtes, que le loto tombe sur la parcelle, c'est-à-dire que les terres agricoles soient constructibles. Et
Ouais, forcément, hein, un hectare de terre libre, c'est 5-6 000 euros en moyenne. Hein, en moyenne. Quand vous passez en mètres carrés constructibles, vous voyez que c'est le taux, là. Et donc, on a aussi des agriculteurs qui vont participer, parce qu'ils font partie des conseils municipaux ou autres, à l'urbanisation. Hein, en fait, que quand on révise les PLU, ben, on va peut-être réfléchir à deux fois. Alors, j'ai fait un petit calcul. Voilà, actuellement, on a 1% de la population française, soit 824 000 personnes ou 711 000 équivalents temps plein, qui s'occupent d'alimenter 67 millions de personnes. Il y a un petit problème. Et la crise du Covid nous a quand même un petit peu alerté là-dessus. Est-ce tenable pour assurer la soi-disant l'autonomie alimentaire hein, qu'on nous dit qu'on a atteint, etc. Je ne suis pas sûre. Donc, un autre chiffre aussi, depuis 1940, la population française a augmenté de 67%, c'est assez considérable, hein, on ne s'en rend pas compte, et les agriculteurs ont diminué de 90%. Là aussi, il y a un problème. Donc, on est sous couvert d'avoir fait une révolution verte pour assurer notre autonomie alimentaire. Finalement, on est complètement dépendant des importations. Donc, la solution, évidemment, c'est qu'il faut installer beaucoup plus. Il faut réinstaller beaucoup plus de paysans et consacrer plus de bras à l'agriculture. Donc, un paysage de l'installation qui se renouvelle. On a des collectivités qui s'investissent, qui sont des points d'appui importants de plus en plus dans l'installation et dans l'agriculture, les circuits courts, les projets alimentaires territoriaux. Il y a des collectivités qui font des acquisitions de terres. Et puis aussi autour des enjeux environnementaux et de l'eau, hein, on voit que les collectivités s'intéressent aussi à l'agriculture, notamment la transition agroécologique pour assurer une eau potable, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a des nouveaux profils donc qui se pressent aux portes d'une profession qui n'assure plus son renouvellement. Et donc là, il y a une nécessité impérieuse de médiation. Les installer, voyez, les porteurs de projets, alors ce n'est pas forcément ceux qui se sont installés, qui sont passés par les points info-installation hein, en 2017. C'est énorme, on avait 62% de non-issus du milieu agricole, 36% de femmes. Et 20% de plus de 39 ans. Donc on s'installe de plus en plus tard, souvent après des reconversions professionnelles. Et la majorité de ceux qui s'installent aujourd'hui sont non issus du milieu agricole, ça faut le dire, et donc ne correspondent pas forcément aux critères de la DGA. Mais on a peu de données donc, sur ce qu'on appelle nous les sans-dotes, hein, les sans-dotations. Si ce n'est que 90% des installés sans DGA, ben, ils sont toujours en activité après 10 ans. Donc, ça veut dire qu'ils tiennent le coup, quand même. Et enfin, pour finir, parce que je vais être trop longue, quelques pistes. Alors, donc, changer les référentiels, comme j'en ai parlé. Donc, il ne faut plus parler d'intensification en capital au niveau des fermes, mais d'intensification en travail. Il faut réinstaller des bras à l'agriculture. L'attribution des aides PAC à l'installation, elle devrait se faire selon le nombre d'installés et non selon la taille des exploitations. Ça, c'est un avis du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. De la même façon, le CESE, sur son avis qu'il a rendu récemment sur l'installation transmission, plaide pour favoriser la transmission, il faudrait augmenter les retraites agricoles. En fait, on l'a vu, hein, et supprimer les aides PAC au-delà de 70 ans ou d'un taux plein à la retraite. En ce qui me concerne, je pense qu'il faudrait mettre en réseau les collectivités, notamment rurales, qui s'investissent dans l'aide à l'installation pour mutualiser, diffuser les initiatives, mais aussi les offres et les demandes. Parce qu'il y a des collectivités où il y a beaucoup de candidats à l'installation. Et il y en a où il y a moins de candidats, il y a peut-être des offres. Donc il faudrait aussi, je pense, à ce niveau-là, faire quelque chose. Dissocier la propriété foncière et l'appropriation de la terre pour l'usage agricole avec des propriétés collectives, pourquoi pas communales. Mais il y a la question du logement à gérer.